Hey yo yo yo, salut les turfeuses salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quinté, Rendez-vous directement dans vos commentaires épinglés. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 14 avril, direction. Auteuil pour le prix Rose Orno. Et hey, 3900 mètres, 15 partants, car le 14 est non partant. Réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mercredi et je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le quintet du mardi 12 avril. Il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec euh, le numéro 1. Euh, Colonel Daumont et on écoute Maxime Cessandri. Colonel Daumont n'a pu s'illustrer pour sa rentrée. Il était, euh, il était un peu frais et un peu allant. Il a logiquement coincé pour finir. Cette course lui a fait du bien. Maintenant, il a 10 ans et sa marge au poids est désormais mince. Le lot me paraît toutefois un peu moins relevé que dernièrement. A la faveur de logique progrès sur sa reprise de contact, une place n'est pas hors de portée à mes yeux. On passe au numéro 2, euh, Anuma euh, Freedom. Euh, tout d'abord, ce Anuma Freedom, hein, c'est lui mon deuxième cheval. Euh, non, c'est mon, hein, mon cheval de complément en cas de non-partant. Mon cheval de complément en cas de non-partant, ce numéro 2. Et on écoute Yannick Fouin. Anuma Freedom effectue sa rentrée ici. Il est un peu rond physiquement, j'ai toutefois pu le préparer comme je le souhaitais, il court généralement bien frais, il, mé il mérite donc une note de méfiance d'emblée. Le numéro 3, Okusai Valis. Et on écoute Laurent Vial. Okusai Valis a réalisé un bon hiver depuis sa plus récente sortie, je lui ai volontairement accordé de la fraîcheur. Le matin, il me paraît très bien et apte à fournir sa bonne valeur jeudi. Le numéro 4, Dauteuil précieux. Et on écoute, Madame Mireille Devaux. Dauteuil précieux vient d'effectuer de, vient une rentrée victorieuse. Certes, le lot n'était pas de haute facture, mais le voir s'imposer avec autorité est toujours une satisfaction. Sa valeur ayant été revue à la baisse, on en profite pour voir s'il est compétitif en 58,5. Il paraît en bonne forme et pour son retour à Auteuil, j'espère qu'il nous fera plaisir. On passe au numéro 5, fou du Brésil. C'est un fou, lui. Alors, on écoute Yannick Fouin. Fou du Brésil a été écarté des pistes suite à des soucis de jambes. Il a effectué une très bonne course de rentrée le 17 février dernier, une impression favorable qu'il n'a pas confirmée dans la foulée sur le stiple de Compiègne. Il n'a pas semblé à l'aise ce jour-là, j'en espère un rachat jeudi, mais deux pensionnaires vont se présenter en bonne forme au départ de ce quintet. Le numéro 6, Razango, et on écoute Madame Sophie alisha Razango vient de prouver sa forme à Compiègne, c'était néanmoins dans un lot moins relevé que celui du jour. Jeudi, sa tâche s'annonce compliquée, d'autant qu'il préfère les pistes franchement lourdes, une surface qu'il ne devra pas trouver jeudi. Euh, attention, ce numéro 6, c'est quand même l'un de mes casseurs de tickets repérés. Alors attention, il intéressera bien sûr les amateurs de chant dieu, ou carrément les amateurs de cotes hein, qui vont le mettre direct. Un petit ticket folie, pourquoi pas? Ouais. Euh, on passe au numéro 7, Diva Desobos. Et on écoute Nicolas euh, Devilder. Wilder. Hop. Diva Desobos fait preuve d'une belle régularité pour son retour à Hauteuil. J'en escompte une bonne performance. Avant le coup, elle possède une belle carte à jouer. Le numéro 8, Gagneur. Et on écoute Nicolas De La Jeunesse. Gagneur effectuait sa rentrée en dernier lieu et s'est bien comporté car il n'était pas à 100%. Maintenant, il devrait afficher des progrès et j'espère qu'il pourra me rassurer à taille car il est vrai que je m'attendais à mieux l'automne dernier. À cette valeur et jugé sur ses meilleures tentatives, il devrait bien courir. Le numéro 9, Papy et on écoute Gérard euh, Collet. Un papy d'Or est resté dans un très bel état de forme depuis sa dernière sortie où il s'est imposé très plaisamment. Je dis, il monte de catégorie, mais sur sa lancée, je ne serais pas surpris de le voir bien se défendre. Cependant, j'espère qu'il trouvera une piste très assouplie. On passe au numéro 10, The Tickler. Et on écoute David Windriff. The Tickler a effectué de très bons premiers pas sur les obstacles d'Auteuil dernièrement. C'est un cheval que j'aime bien et qui va à plus ou moins court terme trouver sa voie à ce niveau. Le lot s'est creusé, voilà pourquoi je l'aligne ici. Je redoute son relatif manque d'expérience dans la discipline. Alors ce numéro 10, attention, hein, lui, euh, eh c'est lui le huitième de mon pronostic. Le numéro 11, Klandaussian, et on écoute Madame Sophie Lich Clon vient de fournir une rentrée encourageante sur cette piste taille et dans un lot similaire. Cette reprise de contact lui a fait le plus grand bien et de logiques progrès de sa part sont attendus ce jeudi. Nous sommes avant le coup plus confiants avec lui que nous le sommes avec Razango. Le numéro 12, Grazzano. Et on écoute Madame Butel. Et Butel, Bonaise, tout ça, tout ça, toute l'équipe. Galazzano vient de prouver sa forme dans un lot moins relevé. On l'avait engagé avec l'ambition et l'espoir de le voir au départ de la deuxième épreuve. Il est finalement dans le Quintet. Il fera de son mieux. Il aurait préféré une piste un peu plus souple, mais on compose avec les éléments et la météo. Eh bien attention à ce numéro 12, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non-partant, donc méfiance. Le numéro 13, Kamikaze. Kamikaze. Et on écoute Guy Claude Rudolph. Attendez que je me mette. Kamikaze a eu droit à des vacances bien méritées. Il a passé un très bon hiver et arrive sur cet engagement en pleine forme avec un moral d'enfer. Il court bien sur sa fraîcheur et si le terrain n'est pas trop pénible, je ne serais pas surpris de le voir accrocher une place. Le numéro 14 est non partant. On passe donc au numéro 15, Goliath. On écoute Jian Bertrand de Balanda. Goliath était programmé pour disputer la deuxième épreuve de ce divisé. Il est finalement en première. Ce n'est pas pareil. Maintenant, il faut courir hein, les chevaux quand ils sont bien. Mon pensionnaire étant très bien au travail, on y va. Il aurait de plus préféré une piste lourde jeudi. Une éventuelle place en fin de combinaison n'est toutefois pas exclue. Et eh bien, en effet, moi je m'en méfie beaucoup. C'est d'ailleurs mon principal casseur de tickets repéré ce numéro 15. Donc attention, attention, méfiance. On passe au numéro 16, Lopézanne. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur hein, pour ce numéro 16. Le pronostic, ça donne 3, 5, 9, 8, 7, 4. 11, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé, à jouer avec modération, bonne chance, chopez le moins